Jungle 6, c'est le nom du 63, à Malne le 12 février par Costa Alpaz, présenté par l'écurie des Japs, qui nous vient de servir sur ça. La mère est par Great Pretender, dont on vient de longuement parler à plusieurs reprises. Et la mère était très très bonne, et c'est une souche qu'on va avoir plaisir à décrire, puisque Bubble Sea, la mère, a été plusieurs fois placée groupe en plat, notamment troisième du prix Cran, le groupe 1 qui va se disputer ce soir à Longchamp. Et c'est le premier produit de cette très très bonne Bubble Sea. Et Bubble Sea, ça nous ramène à Grisetti, bien sûr, le vieux roi, le vieux lion, le roi blanc, Grisetti, qui a remporté l'Ange Marche-Lange à deux reprises et qui a aussi remporté le Grand Cross de Cran à trois reprises. L'un des meilleurs chevaux de cross que la France ait jamais produite. Grisetti, qu'on va pouvoir faire le poulain qu'on va pouvoir faire marcher. Grisetti marche plus là. Et Gondlin, l'artiste français aussi dans cette famille, et puis plus près, en plat, parce qu'en fait cette famille a su donner d'excellents compétiteurs sur le steeplechase avec Gondlin et l'artiste français, sur le cross avec Grisetti, mais aussi en plat, avec Délirant qui a gagné Jacques de Vienne, toujours sur l'entraînement de son éleveur, Étienne Linders, Linders qui est entraîneur de cette famille avec sa femme Christine. Et puis également plus récemment, Chamalgan, entraîné par Grégoire, gagnant du prix du Bourbonnais, groupe 3, ben c'était tout simplement l'an dernier, deuxième génération de Chamalgan, avec Fan of Sea. Voilà, une famille en or ici, au trou maintenant. Famille en or proposée par l'écurie des Japs.